Puis quand on a fait Zone interdite, c'était lui la vedette du show, puis j'ai écrit un peu des lignes pour Sylvain. Puis c'est tellement drôle parce que j'écrivais une ligne, un restant de ligne que j'avais, parce qu'on avait, tu sais, on avait des segments, on était quatre, fait qu'on avait des segments entre des numéros de groupe qu'on faisait, tu sais. Puis là, on avait besoin d'un petit 30 secondes, fait que Sylvain, il dit, on dit, hey, Sylvain, tu pourrais aller? Il dit, ouais, mais j'ai pas de joke. Je dis, OK, gars, dis ça, mettons. C'était, la joke était, ça fait du bien, festival juste pour rire, ça fait du bien rire quand ça fait deux semaines que tu fais semblant d'aimer le jazz. Parce que c'était la suite, bon, du festival de jazz. Ben oui, ben oui. Bon, c'était ça la joke. Fait que là, je dis à Sylvain, je fais là. Fait que là, le soir de la première, Sylvain, il a fait. Puis là, ça rit, tu sais. Mais il fait qu'un personnage tellement déglingué, les souliers par en dedans, il se met une perruque, il est tout croche. Puis aujourd'hui, on dirait, ah, OK, ouais, il était dyslexique. C'est ça qu'on dirait sûrement. Ouais, ouais. Tu sais, avec un souvenir, là, je dis, ah, qu'il était dyslexique. C'est un sûr. Personnage, t'sais, mais pas clair. Il rentre le lendemain, puis il dit, en tout cas, ça fait du bien, le jazz, le rire, tout ça. Ouais. Exact. Le même rire, aussi fort. Là, je regarde Maxime, je fais, si, il a tout déboîté à la ligne, tu sais. Mais en même temps, on s'en fout, là, ça riait dans la salle. Hey, le lendemain. Le rire, le jazz, en tout cas, tu sais, et là, c'est jamais revenu. La phrase est jamais revenue. Il y en a fait 15 versions, c'était jamais la même affaire, mais c'était tout le temps le même rire.